Chapter 18, verse 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mur, and he sat in the tent door in the heat of the day. Chapitre 18. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. And he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground. Il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout devant lui, et dès qu'il les vit, il courut au devant d'eux, de la porte de la tente, et se prosterna en terre. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Et il dit, Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous cet arbre. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts, after that ye shall pass on, for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said. Et j'apporterai un morceau de pain, et vous fortifierez votre cœur. Ensuite vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils dirent, Fais comme tu as dit. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. Alors Abraham alla en hâte dans la tente, vers Sarah, et dit, Apporte vite trois mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. Puis Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur, qui se hâta de l'apprêter. And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. Ensuite il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et les mit devant eux, et lui se tenait devant eux sous l'arbre, et ils mangèrent. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. Et ils lui dirent, Où est Sarah ta femme? Et il répondit, La voilà dans la tente. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Et il dit, Je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente, qui était derrière lui. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my Lord being old also? Et Sarah rit en elle-même, en disant, Quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Et l'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, Est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille comme je suis? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Est-il rien impossible à l'Éternel? À l'époque fixée je reviendrai vers toi, dans un an, et Sarah aura un fils. Then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. Et Sarah nia, en disant, Je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, Non, car tu as ri. And the men rose up from thence, and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Et ces hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux,
pour les reconduire. And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do? Et l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand, et leur péché est vraiment très grave. I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Alors ces hommes, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Et Abraham s'approcha et dit, Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Peradventure there be 50 righteous within the city, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu point à ce lieu, à cause des 50 justes, s'ils y sont? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee, shall not the judge of all the earth do right? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice? And the Lord said, If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Et l'Éternel dit, Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Et Abraham reprit et dit, Voici, je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peradventure there shall lack 5 of the 50 righteous, wilt thou destroy all the city for lack of 5? And he said, If I find there 40 and 5, I will not destroy it. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, détruiras-tu, pour 5, toute la ville? Et il répondit, Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. Et Abraham continua de lui parler, et dit, Peut-être s'y en trouvera-t-il 40? Et il dit, Je ne le ferai point, pour l'amour de ces 40. And he said unto him, O let not the Lord be angry, and I will speak, peradventure there shall 30 be found there. And he said, I will not do it, if I find 30 there. Et Abraham dit, Je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai, peut-être s'y en trouvera-t-il 30? Et il dit, Je ne le ferai point, si j'y en trouve 30. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it, for 20's sake. Et Abraham dit, Voici, je m'enhardis à parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20? Et il dit, Je ne la détruirai point, pour l'amour de ces 20. And he said, O let not the Lord be angry,
and I will speak yet but this once, peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai, seulement cette fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10? Et il dit, je ne la détruirai point, pour l'amour de ces 10. And the Lord went his way, as soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place. Et l'Éternel s'en alla, quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna en sa demeure.